Quand l'homme comprit qu'il ne pourrait vivre sans la nature, il passa un contrat avec les animaux. Il protégerait les antilopes, les rhinocéros ou les aigles au sein de ces paradis qu'on appellerait parcs nationaux. En échange, les animaux laisseraient les humains libres de venir les admirer. 1,5 million de visiteurs franchissent chaque année les portes du parc national Kruger, en Afrique du Sud. Ils savent qu'ils pourront côtoyer sur une plaine de 380 km de long la girafe et le zèbre, l'éléphant et le lion, le guépard et l'hippopotame. L'exubérance des licaons féroces, la perplexité de la lionne qui hésite à s'attaquer au grand koudou, divertissent les visiteurs à un jet de balle du terrain de golf et des lodges dont le phacochère tond le gazon. Trois communautés se partagent les plaines, les animaux, les hommes qui les protègent et ceux qui leur rendent visite. Pour les dirigeants du parc, il s'agit d'aménager au mieux leur coexistence. À la branche d'un arbre, une carcasse pend comme un linge. Pendant les jours qui viennent, le léopard saura où la retrouver chaque fois qu'il aura faim. La perte d'un individu n'affecte en rien le destin du troupeau. Mais le léopard, lui, s'en souviendra de cette proie récalcitrante qui a vendu si cher sa pauvre vie. Car d'un coup de corne, avant de mourir, l'impala a blessé son prédateur. La plaie qui pourrait s'infecter réduit la mobilité du félin. Le léopard est impuissant. Les impalas peuvent narguer la mort. Bernard, malheureusement, la pluie va durer toute la journée, et sans doute demain. Tu devrais revenir au camp. Pas de chance pour Bernard, qui travaille pour un lodge de luxe et guide dans la savane des clients exigeants. Ces derniers veulent voir les animaux de près. En cas de pluie, rien de plus difficile. Bernard manque d'expérience. Les clients n'hésitent pas à s'en plaindre. Où sont les fameux Big Five? Lions, léopards, éléphants, rhinocéros et buffles que tout bon touriste doit avoir photographiés. La journée s'achève. Bernard ferme les portes des cuisines pour tenir à distance les animaux qui rôdent. Le jeune guide s'est souvent fait réprimander. Il risque sa place. Heureusement, il a une arme secrète, qui n'est pas son fusil de service. Seul dans sa chambre, Bernard pense à sa famille. Une femme et quatre garçons qui vivent à 250 km de là. Il ne les voit que tous les 6 mois. L'arme secrète de Bernard, c'est son oncle James, un vétéran de la savane qui sait mieux que personne traquer des animaux. L'exercice commence bien. Bernard repère la trace d'une lionne. Soucieux d'impressionner son oncle, le jeune guide fonce tête baissée sans se rendre compte que c'est la lionne qui le suit, et non l'inverse. James laisse faire. Il sait d'où le danger pourrait venir. James vit avec les animaux du parc depuis 60 ans. Il aimerait transmettre le flambeau à ce neveu malhabile, si seulement celui-ci parvenait à mieux ressentir la savane. Bernard comprend enfin que, depuis le début, la lionne était tout près de lui. Lequel, de l'homme ou de l'animal, renifle l'autre, le jauge, l'évalue. Ce jour-là, ce fut la lionne. Thank you.
Les heures ont passé comme filent les nuages. Près de son arbre auquel la douleur l'empêche de monter, le léopard encorné panse ses plaies. Son regard s'élève parfois vers la branche où il a accroché son repas. À cette hauteur, lion, hyène ou chacal, moins doués que lui pour l'escalade, ne peuvent l'atteindre. Mais le voilà réduit, comme eux, à saliver et à contempler le festin dont il est désormais privé. Le pire est que sa blessure l'affaiblit et fait de lui une proie potentielle. Le soir approche. Bientôt s'accompliront les carnages de la nuit. Le prédateur déchu doit se trouver un abri. Ancien footballeur professionnel, Amon fait partie de l'unité de police du parc national. Il veille à ce que la vitesse à laquelle roulent les voitures ne puisse jamais perturber les animaux. Tout est en ordre dans la voiture. Et je vais bien. Une belle journée commence. Monsieur Damini, comment allez-vous aujourd'hui ? Non, vous ne devez pas sortir. C'est bon, restez à l'intérieur, pour votre sécurité. À sa manière, Amon fait respecter la parole donnée aux animaux. Aucun véhicule ne doit les heurter, ni même les exaspérer. Dès qu'il en a l'occasion, Amon emprunte des pistes interdites au public pour rendre visite à ses amis. Ils ne le déçoivent jamais. Toujours placide, concentré, implacable. Amon est amoureux des crocodiles. Comment allez-vous ? Vous avez l'air si jeune. C'est rare de voir quelqu'un qui conduit toute seule dans le parc. Je viens faire des recherches. Alors, on va sans doute se recroiser dans le parc. La contrevenante est jolie. L'homme crocodile se sent pousser des ailes. Mais pour l'instant, il doit poursuivre sa tournée. Voici un mois, un léopard a tué un collègue d'Amon au moment où celui-ci sortait de sa voiture. Le jeune homme redouble de prudence, mais il ne voit autour de lui que des girafes réticulées. Des oiseaux pique-boeufs dévorent leurs parasites et festoient sur leur dos. À Skukuza Camp, une boutique attire les visiteurs comme un aimant. Remember, 23 ans, assiste le gérant, tandis que Catherine rêve de vivre en ville et s'ennuie à mourir derrière la caisse. Remember aime son travail. Chargé de payer aux guides les commissions sur les achats de leurs clients, il profite des histoires incroyables qu'ils ont toujours à raconter. Francis, keep well. Thanks, same to you. Bye. Catherine et Remember sont les meilleurs amis du monde. Mais Catherine, qui n'en peut plus de vivre loin de tout, partira bientôt. Pour Remember, ce sera un déchirement. Quand le léopard blessé est revenu près de son arbre, la carcasse qui devait le nourrir pendant plusieurs jours ne s'y trouvait plus. Diminué, incapable de tirer sur les muscles de son poitrail, au moins jusqu'à ce que sa plaie soit cicatrisée, il ne pourra tuer une autre proie. Peut-être le hasard placera-t-il sous sa griffe un vieux rongeur ou une charogne dont même les hyènes n'auront pas voulu. Le léopard s'écarte des babouins chakma qui vivent sur son territoire. Leur croc est redoutable et leur cynisme sans borne. Le pique-assiette fait partie de leur troupe.
Les babouins sont des opportunistes, plutôt herbivores. Ils ne dédaignent pas parfois de tuer une très jeune antilope ou de se repaître de proies confisquées à de plus nobles prédateurs. Dans la savane, rien ne se perd. Éboueurs méticuleux, les vautours la nettoient chaque matin. Les impalas, dont un frère vient de finir dans l'estomac des uns et des autres, se sont réfugiés dans la zone la plus sûre du parc, la pelouse du camp où logent les employés. Catherine et Remember vivent dans les quartiers du personnel, des zones d'habitation souvent envahies par les animaux. L'amitié de Remember et celle de Sandra, une autre collègue, manquera à Catherine, qui a décidé de quitter son emploi. La jeune femme oubliera peut-être la savane et ses horizons roses, mais pas la gaieté des enfants et les liens que l'isolement crée entre les employés. Catherine aime la ville, son agitation, sa frénésie. Elle se sent victime d'une erreur de casting. La jeune femme se change rapidement dans la chambre qu'elle partage avec 5 autres employés. Ce soir, avec ses amis, elle célébrera son départ. Difficile de comprendre qu'on puisse se lasser de cette beauté qui s'étend à l'infini. Pour Bernard, c'est l'heure de vérité. Saura-t-il faire partager et comprendre aux touristes sa passion pour le parc ? Le jeune homme a de la chance. Une lionne a laissé son empreinte dans la terre. Les clients se réjouissent. Le jeune homme fait tout pour les charmer. Un peu plus loin, un éléphant a laissé la preuve de son passage. Il s'est déjà éloigné. Ça s'est déjà refroidi. On peut le vérifier en goûtant. Regardez. Je peux le goûter ? Tout avait bien commencé. Mais au bout d'une heure de marche infructueuse, la pluie s'abat sur le groupe frustré. Alors que l'oncle James s'interroge sur l'avenir de son neveu, celui-ci décide de continuer le safari. Il sait que la nature se révélera différente. La magie de la pluie lui offre sa dernière chance. Et c'est bien une savane transfigurée qui s'offre au regard. Les hippopotames, ivres d'allégresse, s'ébattent dans leur mare. Les troupeaux transis prennent leur mal en patience. Les zèbres profiteront bientôt des herbages que la pluie aura vivifiés. L'eau lavera peut-être les terreurs de la nuit. Des lions ont attaqué le troupeau. Un jeune mâle s'en est sorti, la croupe lacérée. Le troupeau migre vers d'autres horizons, sous la conduite de l'étalon qui règne et décide de tout. Le zèbre blessé est devenu un fardeau pour les siens, car sa faiblesse risque d'attirer les prédateurs.
La pluie a enchanté les clients de Bernard. Soudain, celui-ci repère dans les buissons une masse que même son oncle n'avait pas vue. À la fête. Vous les voyez ? Ils viennent boire par là. Il y a de l'eau. Il s'éloigne. Il va vers le bush. Restons groupés. Nous ne savons pas ce qui peut se cacher derrière. Stay close to each other. Hey. Not this way. Away. You understand English? Because he was coming this way. One, two steps, no. Maintenant, il s'en va. Okay, we leave him here. James, go behind. Bernard a offert à ses clients l'instant de magie pour lequel ils sont venus du bout du monde. Soulagé, il leur fait un véritable numéro. Derrière les buissons, il est là, là, là. Vous voyez, entre les buissons. Vous voulez approcher ou vous avez la trouille ? Derrière les buissons, c'est bien la silhouette d'un rhinocéros blanc. Si vous ne le voyez pas d'ici, c'est que vous êtes aveugle. La chance a libéré Bernard. Il a enfin pu partager sa fierté d'être sud-africain et de vivre dans la plus belle savane du monde. Sait-on jamais pourquoi la chance se donne ou se refuse aux hommes et aux animaux ? Quelques jours ont passé et la mort n'a pas voulu du jeune zèbre blessé. D'autres pluies viendront encore, d'autres périls et d'autres miracles. Les babouins profitent de la chaleur que le bitume accumule. Une nouvelle journée commence. C'est jour de fête pour les employés du parc. Un match de foot oppose les cuisiniers et leurs équipes aux agents de la circulation. La rencontre se déroule sous le regard des autres membres du personnel et de leurs familles. Quelques spectateurs sont venus des villages les plus proches du parc. Amon, l'ami des crocodiles, est aussi celui des jeunes femmes. Le policier est aussi un ancien footballeur professionnel. Dans les tribunes, certains crient « Baggio ». C'est le surnom d'Amon, en référence au nom d'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football. Mais quand Amon entre sur le terrain, une polémique s'ensuit. Les autres joueurs le rejettent. Il pense que la présence d'un joueur si aguerri déséquilibrera la rencontre et faussera le résultat. Déçu, Amon a préféré se retirer. Mieux vaut se plonger dans le travail que d'assister au match en simple spectateur. Un appel du quartier général signale la présence possible de braconniers au sud du parc. Amon accepte la mission de reconnaissance et va prendre ses ordres. Alors qu'Amon va entamer sa tournée d'inspection, un lion a déjà commencé la sienne, provoquant l'inquiétude des impalas au bord du chemin. «
puisque les hommes ont posé sur le sol de la savane des rubans de matière noire sans la moindre aspérité, pourquoi ne pas en profiter? C'est le long de cette route que le lion marque désormais son territoire. Il dépose son odeur sur les branches des buissons, à la hauteur où ses congénères pourront la humer facilement. Un puissant jet d'urine dirigé vers l'arrière complète le marquage. Il contient des phéromones qui sont sa signature. Remember et Catherine, c'est l'heure des adieux. Sur la pelouse du golf qu'envahissent les Impalas, Remember veut convaincre son ami de rester. Il ne comprend pas son attrait pour la ville, son vacarme, ses foules et sa pollution. Rien n'y fait, Catherine est déterminée. Elle en a par-dessus la tête, des clients aux airs supérieurs, de leurs demandes extravagantes, de l'isolement aussi, qui la prive de toute vie sentimentale. Remember se sent triste. Il ne veut pas entrer dans cette danse. Il aime son parc national, passionnément. Amon doit passer chez lui récupérer son arme de service. Ella, sa femme, s'inquiète toujours de le voir partir pour ce genre de mission. Les braconniers sont lourdement armés et n'hésitent pas à tuer. Elle préfère le savoir en train de contempler ses crocodiles. Le véhicule qu'on croit être celui d'un braconnier a été photographié par une autre équipe. Amon doit repasser par le quartier général pour voir les photos. La voiture est vite interceptée. Son conducteur semble inoffensif, mais les braconniers cachent souvent des cornes de rhinocéros dans leurs glacières. L'homme n'a en réalité rien à se reprocher. C'était une fausse alerte. Une blessure au genou a éloigné depuis longtemps Amon du ballon rond. Depuis, son travail au parc lui permet de prendre soin de sa femme et de ses trois filles. Avec en prime, à la fin de chaque jour, le coucher du soleil sur la rivière Sabi. Chaque dimanche matin, c'est dans une petite église réservée aux employés du parc que se retrouvent en famille cuistots et rangeurs, jardiniers et vétérinaires, secrétaires et guides. Tous ceux qui font vivre, en coulisses, l'un des parcs nationaux les plus célèbres du monde. Ils ont en commun cette terre encore sauvage qu'ils partagent et protègent. Bernard a pris la succession de son oncle et sait désormais enchanter ses clients venus du monde entier. Ici, le temps et la nature guérissent les plaies. Entre deux tournées, Amon étudie toujours les mœurs des crocodiles et celles des femmes. À l'église, chaque dimanche, on chante cette grâce qui permet aux zèbres de survivre et de braver la lionne qui, hier, échoua à les tuer. Catherine a troqué son emploi de caissière contre un travail de femme de chambre dans un hôtel en ville. Remember restera là, quoi qu'il arrive, comme Amon, comme Bernard et comme tant d'autres, pour qui le parc national de Kruger n'est pas seulement un sublime écrin pour la nature, mais aussi une raison de vivre.